Choisir les applications par défaut, par type de fichier. Clic gauche sur le bouton Démarrer. Clic gauche sur le bouton Paramètres. Vous arrivez sur les paramètres Windows. Recherchez Application valeur par défaut. Cliquez sur Application par défaut. Choisir les applications par défaut par type de fichier. Ceci vous ouvre la fenêtre Choisir les applications par défaut par type de fichier. Ici, vous trouvez les extensions de fichiers qui sont ouvert avec tel logiciel. Celui-ci est ouvert avec WinRAR. Vous avez certaines extensions qui n'ont pas d'application par défaut. Exemple, le point 3FR serait ouvert par Corel PaintShop Pro 18. Je ne l'ai pas attribué. Je vais vous montrer un exemple. Pour ouvrir les gradients avec Corel, les PSP images, les masques, vous voyez que c'est avec Corel Draw, les PSP palettes et la PSP sélection n'ont pas été attribuées. Donc je me mets en face PSP images, je clique sur le plus. Comme PaintShop Pro est installé sur mon ordinateur. Je clique directement sur Corel Shop Pro 64. Vous voyez que maintenant les PSP images seront bien ouverts avec PaintShop Pro. Lorsqu'une extension n'est pas attribuée, il faut aller chercher sur le Microsoft Store. Mais vous pouvez le faire d'une autre manière. Revenez seulement en arrière. Au lieu de prendre Choisir les applications par défaut par type de fichier, prenez Définir les valeurs par défaut par application. Venez chercher votre logiciel pour définir les valeurs par défaut, clique gauche sur le logiciel, cliquez sur Gérer. Nous allons prendre le premier, celui-ci n'était pas attribué. Vous cliquez gauche sur Choisir une application par défaut, et cette fois-ci, Corel PaintShop apparaît, c'est-à-dire le logiciel en question. Cliquez dessus, voilà, c'est attribué. Donc, vous avez deux manières pour définir les valeurs par défaut par application. Et vous avez la seconde possibilité, choisir les applications par défaut par type de fichier. Merci d'avoir suivi cette explication. Au plaisir de se revoir sur le forum.